Tu viens te réjouir, docteur? Au contraire, je suis venu voir si tu avais quelque chose à dire. Aucun dernier souhait avant qu'il ne te cryogénise? Comme c'est très humain. Gallifrey a parcouru un long chemin depuis l'époque de la désintégration moléculaire comme forme d'un réprimande. Je transmettrai ton appréciation à la présidente. Oh oui, c'est vrai. Tu es son petit chien-chien maintenant, hein? À quoi le puissant docteur a-t-il été réduit? Je suis encore assez puissant pour mettre un terme à tes plans. Pour te piéger. Pour te ramener ici. Pourquoi? Pourquoi fais-tu tout ce qu'il te demande? Mais franchement, ça s'appelle la responsabilité, mon cher. Tu ne comprendrais pas. Oh, mais je comprends parfaitement bien. Tu as tout simplement honte de ce que tu es devenu. En tant que seigneur du temps, nous avons des pouvoirs. Des pouvoirs immenses et sans entrave. Nous faisons une différence pour le reste de l'univers. Précisément, et nous pouvons le changer. Façonnons-le à notre image, ensemble. Ou bien nous pouvons accorder aux gens la liberté de vivre comme ils le souhaitent. Comme je l'ai dit, nous avons de grands pouvoirs, donc de grandes responsabilités. Tu as choisi d'en abuser. Moi, j'ai choisi de nettoyer le désordre que toi et d'autres comme le maître ou bien la Rani laissez derrière vous. Docteur, vous êtes là? Ah, Cardinal Patrak, comme vous cet honneur. La présidente souhaiterait vous voir maintenant. Elle a une dernière demande à vous faire. Il faut filer, docteur, hein, vite, vite, vite. Le petit toutou de madame la présidente. J'en ai fini avec lui, hein. Vous pouvez le faire taire. Code d'activation du compartiment de congélation 6-0-7 confirmé. Ingestion de fluide cryogénique dans 10, 9, 8, 7. Tu n'as pas fini d'entendre parler de moi, docteur. 4, sortir d'ici sera un 4, jeu d'enfant, tu m'entends? Un jeu d'enfant! Zéro!